Hello tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Hearts Birth by Sleep. J'espère que vous allez bien. La dernière fois on avait eu pas mal de révélations, beaucoup d'informations. On était passé par les îles du destin, on avait vu Riku et Sora plus jeunes. On a vu que Terra avait fait le rite de transfert, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où il a transféré les pouvoirs du porteur de Keyblade à Riku. C'est pour ça que Riku peut manier la Keyblade à partir de Kingdom Hearts 1. Enfin, même à partir de maintenant, théoriquement, enfin, je crois. Donc ça, c'est très important. On a appris qu'un homme, enfin un garçon du moins, était passé là-bas et avait réussi à s'en aller. Alors là, il y a beaucoup de théories. Il y en a qui disent que c'est Xehanort plus jeune, que c'est Ventus. Je sais plus ce que j'ai vu, il y a beaucoup de théories. Je sais pas trop pour l'instant. C'est vrai que quelqu'un m'a rappelé qu'on avait vu au début du jeu Xehanort vieux et Ventus. Alors qu'il était pas très très bien, on dirait. Donc je sais pas si c'est de eux qu'il parle. Bref, peut-être qu'on en apprendra plus tard, on verra. On avait également complété le pays imaginaire, donc j'y suis retourné pour faire quelques niveaux et pour récupérer les trésors qu'il me manquait. J'ai appris pas mal de petites choses, des attaques surtout qui prennent deux places dans le jeu de commande. Donc ça prend un peu trop de place et on devait se rendre tout là-bas parce que Xehanort apparemment nous appelait aux terres funestes. Mais aujourd'hui, on va faire un petit peu de secondaire puisque on va se rendre dans l'arène des mirages. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et essayer de choper... On va pas tout faire, hein. Je vous préviens, on va pas faire du tout beaucoup de choses ici. On va surtout essayer de choper le rapport de Xehanort qui s'y cache quand on est avec Terra. Avec les autres personnages, j'ai pas besoin d'y aller, mais on va y aller que avec Terra, donc voilà. Parce que j'ai besoin, je vous le rappelle, de tous les rapports de Xehanort pour avoir l'épisode final. L'épisode final qui est donc l'aboutissement une fois qu'on a fait les trois scénarios. Et ensuite, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal à suivre. Après l'épisode final, si j'ai réussi à avoir tous les stickers et à les coller dans le machin, donc ça jusque là, coller des stickers, je pense que je suis capable, on débloquera l'épisode secret qui est propre à Final Mix, si je me souviens bien, et qui est facilement obtenable parce que je suis passé en mode expert. Voilà, le petit rappel qui fait plaisir. Bien. Alors, cette arène de combat, je crois, se sépare en plusieurs choses. J'ai vu quelque peu vos explications, mais je pense qu'on va me le répéter. Alors, Arène des Mirages propose différents modes. Le mode arène qui nous intéresse, la chasse aux commandes qui m'intéresse pas, et les courses folles qui ne m'intéressent absolument pas parce que je ne tiens pas à rager. Donc nous, on va s'occuper du mode arène. Choisissez la couleur de l'armure. Elle est très bien comme ça, à moins que tu veuilles devenir tout vert. Magnifique verdâtre, là, voilà, t'es très beau comme ça. C'est très fluo tout ça. Non, c'est très laid. C'est très très laid. On va garder son armure de base, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je sais pas pourquoi on me propose ça maintenant, mais pourquoi pas. Ok. Donc voilà, le monde est vraiment très très petit, hein. C'est pas grand-chose. Alors, on a un Mog. Alors, je vais quand même vous montrer quelques compétences que j'ai eues avant de commencer. Alors, j'ai chopé dans un coffre Géo Impact, que j'aime pas forcément énormément, mais que je fais augmenter. Arcelum, je crois qu'on l'avait pas trop testé, mais c'est une espèce de gros combo. Donc, on va le voir. J'ai pas forcément fait de mixage depuis la dernière fois, parce que je sais plus trop quoi mixer. Là, pour l'instant, je me sens bien avec ça. Je sais pas pourquoi, j'ai plus trop envie de mixer en ce moment. Surtout que... En fait, j'avais plein d'idées de mixage et qu'aucun ne fonctionne. Je pensais que Brasier X et Brasier X allaient fonctionner, mais apparemment non. Hein, ils m'ont dit d'aller me faire voir. Donc je ne sais plus. À la limite, on peut faire brume sombre, puisque apparemment, voilà, voilà. Vous savez quoi? On va faire brume sombre et puis c'est tout. Boum! Brasier X obscur, voilà, le retour. Le retour de Brasier X. Que je mettrai dans le jeu de commande une fois que je vous aurai montré Géo Impact, parce que je pense l'enlever une fois qu'il sera niveau maximum, donc le temps qu'il soit niveau maximum et après on l'enlèvera. Bref, j'ai pas envie de trop faire de mixage pour le moment. On va garder nos compétences telles quelles. Pluie de météores et Arcelum, j'aime bien. Explosion brutale, j'aime bien. Enfin voilà, c'est des petites attaques puissantes, donc je pense les garder. Peut-être qu'à terme aussi, je mettrai un autre soin, parce que le soin X est un peu léger, il met du temps à revenir, donc on va peut-être en mettre un deuxième. Autre petite chose, avant qu'on y aille vraiment, dans le coup de grâce, j'ai débloqué étoile obscure. Voilà, qu'on peut appeler brioche obscure, hein, je veux dire, c'est pas 100% original. Quoique, étoile obscure, au pire, on peut faire ça. On peut faire ça. Alors je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de secondaires, donc il y aura pas mal d'ellipses d'accélérer, hein, je vous préviens. Parce que j'aurais bien aimé récupérer les stickers avec vous, c'est ce qui me manque.
pour papoter, raconter des trucs, et voir les endroits où ils sont cachés, parce que je ne sais même pas. J'en ai récupéré quelques-uns pendant que je m'entraînais, mais je les ai pas tous. Voilà, je voulais juste appeler cette compétence, Brioche 666. Alors, c'est mon délire. C'est pas forcément très glamour, mais... Oh là là, oh là là. Le clavier T9 de la mort. Et c'est raté, voilà, j'appuie trop. C'est bon. Voilà, Brioche 666, ça m'ira très très bien. Ok. Je pense qu'on est bon, on y va. Peut-être que l'épisode sera plus long que d'habitude, c'est un peu de secondaire, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller voir ailleurs. Est-ce que toi, tu me proposes... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on m'a dit aussi, c'est Falcon qui m'a dit ça, que la zone là, en fait, à la base, était censée être multijoueur. Sur PSP, elle était encore multijoueur, et que apparemment sur la version Final Mix qu'on a sur 2.5, elle ne l'est plus. Donc, bon. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des compétences multi... Je ne sais pas. Mais, bref, mode arène. Alors, comment ça se passe? On a jour de patrouille, quenouille folle... As-tu vu? Montre... Monstre, marin, pas monstre. Alors, je crois que c'est... patrouille sinistre, un truc du genre pour le rapport de Xehanort, mais je crois qu'il faut que j'en débloque. Donc on va faire celles qui sont pas trop compliquées pour le moment. Et puis... puis voilà, pour valider, aller au centre de l'accueil. Ok. Commencez, vas-y. 36 000... interrogations, là, genre, on vous demande, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es très très prêt? Est-ce que tu es très 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 prêt? T'es sûr? C'est ta dernière bafouille. Ok, c'est parti. En tout cas, vous avez vu que j'ai mis la Keyblade finale de Terra. On peut en obtenir une plus puissante ici si je fais tout, mais ça ne m'intéresse pas. Je pense que je vais rester avec cette Keyblade qui est beaucoup plus symbolique, beaucoup plus belle. Voilà, j'ai fait mon attaque Géo Impact. Vous avez vu, c'est une espèce de grosse attaque de pierre qui est assez lente et qui ne vise surtout qu'un seul ennemi, donc j'aime pas trop, trop, trop. Alors que ce genre de choses comme ça, ça peut faire... Ok. Ça peut faire boum quand on ne me coupe pas dans mon élan. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre de faire ces matchs. Peut-être que justement on passera tout l'épisode là-dessus, je ne sais pas, ou peut-être que je les accélérerai. Mais j'ai vu qu'il n'y avait que 5 rounds, donc je pense pas... Putain, je rate tout parce que je papote. Je papote, du coup je rate tous mes enchaînements. Je me cache de là. Donc normalement il y a un boss à chaque fois à la fin. Pour l'instant c'est vraiment pas très compliqué. Toi tu dégages. Je one-shot presque. Hop 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 hop. Attention monsieur là, vous vous calmez. Hop là. Eh oui. Voilà, brise rush. On va peut-être dû attendre le prochain tour, le prochain round. Histoire de tout péter. Pluie de météorites pour vous. Voilà. Vous faites bien. On va pas se soigner, je crois qu'il y a un bonus si je me soigne pas trop. Si j'ai bien vu. En fait à chaque fois il y a un... dans les combats vous m'avez dit qu'il y a des bonus. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh popo. Et que j'augmentais mon niveau d'arène en gros. Et que les tournois se débloquaient au fur et à mesure que mes niveaux d'arène augmentaient. Donc si je peux avoir des bonus pour augmenter plus vite et débloquer le tournoi qui m'intéresse, ça peut être sympa. Ouah, je vais le rater. Ouais, je l'ai vu trop tard. Boum. Tiens, dégage. J'ai dit quoi? J'ai dit dégage. J'aime pas les gros ennemis comme toi. Allez, partez. Je pense que... Ok, j'ai eu un impact niveau 3. Je pense qu'on en a 3 ou 4 à faire de tournoi pour débloquer celui du rapport de Xehanort. Donc ce serait pas trop long. Ça vous permet de papoter, qu'est-ce que vous en dites? Il fallait bien qu'on fasse un petit épisode secondaire. Là, on arrive à la fin de la partie de Terra, donc c'est pour ça que je préfère le faire maintenant plutôt que après tout couper. Ah bah voilà, je pense qu'on est sur le boss. Tout couper, l'histoire et tout. Je préfère faire tout d'une traite la fin. Ce sera beaucoup plus classe. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien récupérer mes stickers aussi. Pour pas avoir, voilà, genre, imaginez, il y a un gros truc, genre, ça y est, il faut aller sauver, genre, à quoi elle est en train de mourir, il faut aller la sauver, oula. Et d'un coup, bon, bah, attendez, je fais quand même une pause, j'ai des autocollants à chercher, donc, calmez-vous. Wow, mais calmez-toi, toi. C'est quoi ton délire? Wow. Attends, je sais ce qu'on va faire, tu vas te calmer tout de suite. Tu vas te calmer. Hop, prends ça. Voilà, ça, c'est bien pour toi, ça. Hop, hop, hop. Il y a un truc que je fais pas aussi, et que je devrais. Je t'ai pas calmé, là? Oh si, je l'ai grave calmé. Un truc que je fais pas, c'est de mettre en raccourci une attaque. Je crois que je l'ai jamais fait. Il faudrait quand même que je pense à le faire, parce que je pense que je vais bientôt devoir me soigner plus rapidement que ce que je faisais jusqu'à présent. Donc il faut absolument que mes soins soient en raccourci, sinon ça sera pas le faire. Ah, bonus, non? J'ai pas de bonus. Il me semblait avoir un bonus. Une fois sur 5. Ah, je pouvais me soigner 5 fois, peut-être.
Je sais pas. Bref, passons. Passons, on va pas s'en inquiéter, ça va bien se passer. Vous avez terminé le jour de patrouille en mode arène, niveau d'arène 2. Très très bien. Du coup, on y retourne. Ça va, c'est plutôt rigolo. Jour de patrouille, non. On va penser à la quenouille folle, donc on sait très bien ce que c'est comme boss, ça. Et voilà, mission optionnelle, tir avec style, au moins 8 fois. Changer de style de commande et utiliser le tir visé au moins 8 fois. Bon, dis donc, c'est un peu plus compliqué que juste ne pas se soigner, je trouve. Ok, on va regarder ces attaques-là, je pense que ça ira. On est assez haut niveau pour l'instant pour les combats, donc... Enfin, disons qu'on a le niveau, parce que c'est vrai que le boss m'a fait quelques dégâts. Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici, hein. On va peut-être y passer juste après, je sais pas s'il me manque des stickers ici, donc... Allez, boum! Après, c'est les mêmes ennemis, là, pour le coup. Ok, j'ai un peu raté mon coup. Non! Non, 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 j'ai grave raté mon coup. Allez, faut que j'apprenne à parer plus que ça, quoi. En plus, elles sont plus simples, je trouve, les parades dans ce cache. On a le temps de voir venir. Oh, brioche 666, boum! Allez. Hop, hop. Là, on va pas se gêner. Allez, 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 allez. Oui! Magnifique. Vas-y, toi, tu viens. Hop, hop. Parfait. Tu veux une commande de tir visé? Pou, 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 pou. Il paraît que ça compte. Si je peux avoir le truc optionnel. Je vais même pas me... Bon, l'empêcher. J'aime beaucoup cette attaque de zéro absolu. Mince, je me suis trompé de touche. C'est pas souvent rond dans ce combo. Allez, hop. On n'en parle plus. Attaque-moi, toi. Hop, hop, double. Toi aussi, tu veux m'attaquer? Oh, t'as raté. T'es impotent. Désolé. Round 3. Je sais pas vous, mais moi je suis en forme. Il fait moins chaud, on est pas mal. Ma journée avait très mal commencé, je dois vous l'avouer, parce que j'ai voulu tourner cet épisode. Et alors rien n'allait, quoi. J'ai fait l'intro 6 fois. Après, j'ai eu une quinte de toux du démon. Je vous raconte ma vie, c'est pas grave. Et alors après, genre, j'ai arrêté. Genre, j'ai rage quit, j'en avais marre. Je me dis, bon, je ferai plus tard, ça marche pas. Je n'y arrive pas. Là, ça va mieux, hein. Vous les marquerez, c'est plutôt fluide, plutôt pas mal. Je dis n'importe quoi. Et genre voilà, donc j'ai rage quit et j'ai posé le micro un peu violemment sur le bureau. Et genre ça a cassé. Non, pas le micro, hein. Ça a cassé mon écran. Oui, oui, je vous jure, mon écran s'est éteint. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, de Dieu? Je comprends pas. Et en fait, la prise électrique derrière, genre l'embout que vous mettez dans votre écran. Et resté dans l'écran et le fil est parti derrière. Je pouvais pas trop. Enfin, je pouvais peut-être le remettre, mais je vous avoue que j'ai pas osé. J'ai pas voulu faire un court-circuit de la mort dans l'appartement. On va se concentrer un peu parce que je vous parle, mais je pense que ce boss peut me faire mal. Ouais, alors ce genre d'attaque c'est bien, mais. Ouf, 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 ça fait tellement de mal ça. Magnifique! Ah, c'est vrai que ces attaques-là. Ah, puis en plus, ça le stun un peu. Ces attaques-là sont badass. Allez, tiens, le combo. Alors, vous le voyez pas, mais je dois appuyer sur triangle en fait. Parce que je le spam un peu quand je fais cette attaque. Je le spam pas mal parce qu'en fait, c'est toujours triangle. Hop. On va refaire ça. Oh! J'ai pas fait un max parce que du coup, il s'est envolé. C'est enfoiré. Attention, il va charger là, je m'en souviens. Dégage. Oh, donne-moi les bouboules. Oh, parfait, les petites bouboules vertes. Ouf. Attention, il est où? Ah non, je pensais qu'il chargeait. Je peux pas faire de lien D dans ces trucs. Ok. Je peux pas faire une espèce d'attaque soignante juste derrière. Il prend cher, vas-y, fais le combo. Oulala, oulala. Boum, 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 boum. Genre, tu déconnes. Ah, c'est bon. HP max augmenté. Oh, on a même des bonus à la fin des combats. C'est peut-être pas mal, en fait, de continuer et d'essayer de faire tous les trucs. Si je peux avoir plus de HP, plus de force, plus de trucs, plus de tout ce que vous voulez, ça peut être pas mal. Oh, puis on a eu le changement de style. On a eu 9 fois sur 8. Parfait. Très, très bien. On s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà. Ma journée avait bien commencé et elle se termine plutôt pas mal. Finalement, on s'en sort bien. Ah mon dieu, il a fallu que je rachète un écran, enfin bon, n'importe quoi, un truc pas du tout prévu.
Ok. Alors, je suis passé niveau 3. Donc, ouais. Journée patrouille, quenouille folle. Patrouille sinistre, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il faut que je fasse une garde 20 fois. Enfin, pari 20 fois. Je crois que c'est ça pour le truc qu'on a besoin. Écoutez, allons-y. On teste, hein. Si c'est pas ça, si j'ai pas le rapport, je continue. Et puis c'est tout. De toute façon, si on gagne des bonus, des HP, des machins comme ça, je ne vais pas cracher dessus, n'est-ce pas? On va l'accepter. Mais c'est bien parce que je trouve que ça s'enchaîne assez vite. Là, les vagues arrivent vite, il n'y a pas 36 000 temps de chargement. C'est pas mal. Mieux que dans les autres cages, je trouve qu'il y avait à chaque fois un temps de chargement. Donc je faisais pas mal d'ellipses et d'accélérer si je faisais des tournois parce que... C'était long. À chaque fois que vous gagnez un combat, ça faisait genre le petit ralenti qu'on a à la fin des boss. Le temps de chargement, écran noir, oula, on va lui faire ça. Et après, allez, vas-y, que je te refais la présentation, round 3, round 4, c'était très long. Là, ça s'enchaîne, genre t'as fini le round, et poum, t'as la suite. Là, je me prends une bonne, méfie-toi. Alors là, on a bien fait l'enchaînement. Ouf, c'est bon. Parfait, toi tu en veux une, viens. Voilà, et voilà. Voilà, hop, round 2, direct. Ça passe direct, tu peux le passer. Géo Impact, niveau 4. Je sais pas si on prend de l'XP ici. Les attaques ont l'air de prendre de l'XP, mais pas forcément moi. Je sais pas, pas trop fait gaffe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est pas mal, nos attaques, nos compétences sont pas mal là. Ça manque d'un soin, voilà. Donc c'est pour ça que Géo Impact va virer. Je pourrais peut-être remettre les mines, que j'aimais bien. Et mettre un soin à la place de la deuxième case. Ce sera peut-être mieux. Oula, j'ai failli me faire avoir. Dégage de là. Qui reste? Toi là-haut. Je crois qu'il y a encore 5 rounds ici aussi, donc voilà, on est... Oh, que je les aime pas ceux-là. Oh, alors moi qui disais que c'est assez rapide, mais alors avec eux, c'est trop chiant. Dans le dos, sinon c'est pas bien. Wow. C'est bon, un de moins. Brioche 666 pour toi. Boum. Merveilleux. Bon, c'est pas le nom de l'attaque le plus beau. Mais je sais pas. Obscur m'a fait penser à un démon. Démon 666. Lucifer ma gueule. Représente. Je sais pas ce qu'il fait là, mais voilà. Tiens. Hop, dans vos faces. Voilà, j'aime bien les attaques qui font des dégâts sur tout le monde, c'est mon kiff. Donc voilà, je remettrai peut-être un soin X ou un soin plus dans mon jeu. Je sais pas, c'est mieux, parce que le soin plus se charge plus vite en fait, c'est ce que je me dis. Bon, c'est chiant vous. Oh là là, mais il y a beaucoup de vagues ici. Débloqué, explosion, coup de grâce. Oh, encore un coup de grâce justement, peut-être que la... Le brioche 666 va pas faire long feu. Oh là, vous me faites un peu mal, les gars. Prenez-vous ça. Voilà. Alors, il y en a un qui s'est énervé. Je peux le comprendre parce que je te tape pas dans le dos. Même deux. Allez, faites boum. On n'en parle plus. Je me soigne. Au pire, ce qui est pas mal avec ce genre de bouboule. Ça, il y en a plein. C'est que je peux me soigner tranquille. Et le temps qu'elle roule et qu'elle explose, mon soin se recharge. Pépère. J'ai pas de panique. Voilà. En tout cas, je sais pas vous, mais j'ai hâte de connaître la suite. Là, ils m'ont intrigué avec leur les îles du destin, le rite de transfert pour Riku. Moi, je suis persuadé qu'on va avoir un rite équivalent avec Ventus et Sora, Aqua et Kairi. Et j'ai envie de savoir ça, quoi. J'ai envie de voir les autres persos. Là, j'ai envie de jouer la partie de Ventus, surtout. Aqua, je la connais moins bien, mais Ventus, on a l'impression d'être un peu plus proche de lui. Il fait beaucoup penser à Roxas, à Sora, donc il m'intrigue pas mal. Après, par contre, le style de combat, je pense que mon préféré sera Ventus aussi. Rapide. Quoique la magie d'Aqua peut être sympa. Je sais pas, je me suis fait aussi à Terra, qui finalement est plus silencieux que ça maintenant. Bref, je les aime tous. Voilà, j'avoue tout. J'aime tout le monde. Tout le monde est gentil. Sauf Xehanort. Mais là, on se fait encore un peu manipuler. Et je pense que ça va être encore le cas. Là, on va retourner dans les terres funestes, du coup. Et je pense que Xehanort va encore nous monter la tête. Je sais pas si on va voir Vanitas. Peut-être qu'il y aura un combat contre Vanitas là-bas.
Faut que je me soigne à chouille. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Moi j'ai hâte d'en apprendre plus. Dégage. Voilà, pendant que tu roules, il y a l'oiseau. Ah, ne m'explose pas dessus. Toi là. Les oiseaux voulaient pas descendre parce que c'est un peu haut pour moi. Ok. Voilà. Je pense que là on est sur le boss. Ouais, c'est ça. Alors. C'est le même, non? C'est pas le même que le premier combat. Attendez, on va commencer par un truc sympa, c'est... Vas-y, 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 tire visé. Boum. Comme ça, ça aura le temps de recharger. Allez, 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 boum, 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 boum. Ah, ça te fait tellement de dégâts. Attention, 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 il peut en faire plein aussi, lui. Dès que je suis à fond... Oula, il est où? Il est où? Oh! Oh là là, oh là là, oh là là. Le monsieur, il fait mal. Le monsieur, il fait mal. Viens. Explosion brutale, explosion brutale. Vas-y, vas-y. Ah, j'arrive pas à faire, il me casse tout. En même temps, je suis con, hein. Je me fais attaquer. Hé hey. Attends, mais... Tiens. Tiens, 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 tiens. Mais c'est complètement cheaté, ce truc. Comment je le no-brain avec cette attaque? C'est un peu abusé, peut-être. Hein, parce que... Là, j'étais même pas obligé de faire mes attaques où je me suis planté, là. Je faisais ça deux fois, il était fini. Bon, le bonus, c'est raté. C'est raté. Ah, rapport de Xehanort 5. Extrait des écrits de Xehanort. Et ben voilà. Mais voilà, on l'a obtenu. C'est tout bon. Ok, ben on peut s'en aller. Bon, je pourrais continuer, je vous dis. Il y a sûrement des bonus à avoir, des trucs. Il y a la Keyblade un peu plus puissante à avoir ici. Mais je ne souhaite pas le faire. On va quand même regarder un truc, par contre, c'est le coup de grâce qu'on a eu. Géo Impact, il n'est pas niveau max. Toujours pas. Coup de grâce. Explosion. Rien que ça. Frapper les ennemis avec une attaque sautée puissante qui provoque une explosion qui peut choquer les ennemis qui le touchent. Explosion, ça me plaît bien comme nom. Après, on va peut-être pas mettre brioche explosive, quoi. C'est pas non plus... Brioche, 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 explosion. N'est-ce pas? Je sais pas. On verra. On verra, on verra, on verra si c'est bien ou si c'est pas bien. On va sortir d'ici. Et on va aller chercher les stickers qui me manquent. On peut regarder déjà ici où est-ce qu'il m'en manque. Il me manque pas des masses non plus. Les trésors, j'ai tout. Ça, c'est sûr. Collection de stickers. Alors, il m'en manque un au domaine enchanté, un chez Blanche-Neige. Un ici, celui-là je me souviens. Tour Mystérieuse 1, Jardin Radio 2, Disneyville 2, et après j'ai tout. Ok, ça ira assez vite. Je pense que le plus long en fait ce sera les chargements, mais je vous les zapperai pour qu'on arrive directement dans le monde. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite et maintenant au domaine enchanté. Et voilà, on est de retour dans la chambre d'Aurore. Aurore qui a littéralement disparu, elle a embarqué son lit avec elle. Fait ce qu'il veut, c'est une grande fille. Alors, je ne sais pas où sont les stickers. Je pense qu'il est dans la grande salle, là où il y avait le boss avec la super quenouille. Il me semble que c'est là-bas. Mais on va regarder un petit peu. On va fouiller. Et on collera les stickers ensuite. Il faudra pas que j'oublie, bien sûr, de lire le rapport de Xehanort. Attention, il est possible que je l'oublie. J'espère pas. On va attendre un peu. Ah bah, il est là. Oh bah, champion du monde. Allez, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Oui, sticker Riri. Bien. Et bah du coup, on fait quoi? On va chez Blanche-Neige? Bon, je vais papoter avec vous. Je vais pas faire d'ellipse à chaque fois non plus. Là, il était facile à récupérer. Chez Blanche-Neige, je ne sais pas où il est non plus. Je sais pas du tout si j'ai un bon niveau pour continuer, par contre. Pour l'instant, à chaque fois, ça se passait pas trop mal. On faisait un monde et... Je prenais quelques niveaux en fouillant les coffres. Et à chaque fois, le prochain, on s'en sortait bien. Donc peut-être que là, ça va être encore le cas, puisque j'ai pris des niveaux en finissant le pays imaginaire. Donc je me dis que ça ira. Après, si je vois que ça déconne, il faudra que je me prenne des niveaux. Mais je pense que ça irait. Au pire, je pense que... Je pense que ça ira parce que... On va aller là.
Parce que, laissez-moi comprendre ce que j'essaye de dire avant de vous le dire. Parce que, après les stickers, je sais pas si on pourra continuer l'aventure tout de suite. Peut-être qu'on fera que du secondaire aujourd'hui et qu'on n'ira pas dans ce monde des terres funestes, qui apparemment en plus n'a pas de combat. Au pire, c'est pas grave. Mais les prochains combats, peut-être que d'ici là, j'aurais coupé l'épisode. Donc j'aurais pu prendre des niveaux. Alors, verdict, où est mon sticker? Où est-il? Si vous le voyez, vous criez. Je sais pas où on l'a laissé. Ça se trouve, il est à l'autre bout, je m'en souviens pas. Je le vois pas. Je le vois pas. Où est-ce qu'on l'a mis, ce sticker? Ah, il est là. Il est là, ok. Alors, j'ai besoin d'activer ça. Voilà. Vite, vite, vite. On va pas s'occuper d'ailleurs des petites silhouettes spectrales là qu'on voit depuis le moment. Depuis un petit moment. Je pense pas le faire maintenant. Ou peut-être même jamais, je ne sais pas. Pour l'instant, j'essaie surtout de compléter ce dont j'ai besoin pour avoir les épisodes finaux et secrets. Alors, le sticker loulou, c'est parti. On va sortir d'ici pour rechanger de monde. Alors, je sais plus où est le prochain. Bah si, c'est chez... pas chez Soche, chez Cendrillon. Cendrillon! Vous vous rappelez de ce coffre là-bas, hein? On l'avait bien eu, hein, je vous rappelle. Il était un peu chaud à avoir, là, fallait sauter dans tous les sens. Mais on l'a eu. Il y avait une belle attaque dedans. On s'en va. Allez, je vous retrouve chez Cendrillon. De toute façon, celui-là, il est très très simple à avoir. On va vraiment y faire un aller-retour. Je me souviens où il est. Et nous y voilà. Alors, rappelez-vous, il est normalement dans ce couloir, il était vachement en hauteur et je ne pouvais pas du tout sauter assez haut à cette époque-là. Mais j'ai bien grandi et maintenant, je devrais pouvoir... Dégagez ! Rrrrah ! Merci. Laissez place. Il est où ? Il est là-haut, normalement. Hop ! Ok, j'ai jamais... Voilà, sticker ballon volant. Super ballon. Alors, on va aller au jardin radieux, je pense que c'est là-bas. Qu'il s'en cache. Il y en a deux, il me semble. De toute façon, on a regardé le compte tout à l'heure et je m'en souviens pas. Hein. Le gars qui oublie tout. Le gars qui va oublier de lire le rapport. Je sens que je vais l'oublier, ce rapport. Je sens que je vais l'oublier. Je sais plus, par contre, ce qu'on gagne en collant les stickers, vous me l'aviez dit, et ça se trouve, c'est très bien. On verra, de toute façon. Hein. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir poussé à faire le mode expert, parce que c'est quand même... Ça aurait été dommage de pas avoir l'épisode secret. On va aller à la ville. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas avoir l'épisode secret qui finalement est assez simple à avoir avec les stickers, quoi. Alors que l'épisode normal... Si j'avais mis le jeu en normal, si j'étais resté en normal, je pense que j'aurais roulé sur tout ce qui bouge, parce que là, pour l'instant, on s'en sort. Mais il y a quand même un petit peu de défi. Je sens qu'il y en a un là-bas. Ça reste un petit peu difficile sur certains boss, donc c'est plus intéressant pour vous à regarder, pour moi à jouer. J'ai pas juste à spammer croix et triangle, donc c'est bien. Et au moins, on pourra avoir le secret sans se casser la tête. Parce qu'en normal, comme je vous le disais, ou comme j'essaye de le dire, il aurait fallu faire le jeu à 100%. En gros. Et comment vous dire que ça aurait été difficile? Tous les trucs aléatoires, secondaires. Alors, comment je vais choper celui qui est là-bas? Il est quand même assez loin. On va tuer les gens qui sont là pour être tranquille. J'ai eu un pacte niveau 5. Magnifique. Du coup, je vais en profiter. Voilà, il est bel et bien au niveau maximum. On va virer ce Geo Impact, on va remettre un soin. Bon, j'ai un autre soin X, prends ça. Et là, on va mettre les mines. Que j'aime bien. J'aime bien les mines. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, alors, on va essayer de le choper du premier coup. Réussira pas. 1, 2, oui, sticker, tac. Parfait, alors on va suivre le chemin, je sais pas du tout où est le deuxième. On va essayer de le trouver. Je me demande s'il est... Non, il me semble que je l'ai eu. Ah, je pense savoir où il est. On va faire demi-tour. Je crois que je sais, c'est vers une espèce de fontaine où il y avait un portail où je croyais que c'était le prochain passage. Je sais pas si ça vous parle, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. On a combien de minutes là? On est à peu près à 30 minutes d'épisode, donc je sais pas si ce sera plus long. Oh, quoique, j'aimerais bien quand même aller aux Terres Funestes et voir la cinématique qu'on nous propose là-bas pour pas vous mettre que du secondaire et peut-être même vous teaser la suite, quoi.
parce que vous m'avez dit, de toute façon, c'est pas la fin. Là-bas, on pourra encore changer de monde, donc j'aurais pu faire ce secondaire plus tard. Mais ça peut vous teaser, d'ailleurs ça peut me teaser moi aussi. Hein. Parce que j'ai très hâte de savoir ce qui se passe là-bas. Je pense qu'en fait c'est là-bas qu'on va se rendre compte que Xehanort fait de la merde. Je pense que c'est là-bas que Terra va se rendre compte que Xehanort l'a manipulé ou essaye de le... Enfin, en même temps on n'a pas force... Oh, force augmentée, très bien. On n'a pas forcément... On n'est pas forcément manipulé pour l'instant. Mais on sent qu'il nous manipule, mais on sait pas trop comment. On sent qu'il y a quelque chose. C'est bizarre. C'est bizarre. Il essaye de nous faire aller dans les ténèbres, maîtriser les ténèbres. Terra en même temps qui a vide de pouvoir et de force, qui jure que par ça. On sent qu'il veut. Ça va mal se passer quoi, c'est tout. Ça va mal se passer. Alors, carte du monde, on va aller à la tour de Yensid, il me semble qu'il y en a un là-bas. Et après, il ne manquera plus que la ville Disney qu'on va faire en dernier, histoire de bien vous laisser la musique dans la tête, parce qu'on lira le rapport là-bas, on collera les stickers là-bas, ce sera magnifique, quoi. On gardera la meilleure musique pour la fin. N'est-ce pas? Antichambre du sorcier. Alors. Ah bah, il est là. Pff. Easy money. Merci beaucoup d'être passé, au revoir Yensid. C'était sympa, il a même pas vu. On est tellement passé inaperçu. Il a regardé sa fenêtre. Inaperçu. Il faut dire avec le cheveu, sinon ça passe pas. Inaperçu. Alors il me semble qu'il n'y en a plus qu'ici. Hein. Si je me trompe, je vais être deg. Je sens que c'est là que ça va être le plus chiant en fait. Je sais pas pourquoi. Je sens que c'est dans ce monde là que les stickers vont être le plus chiant. Genre dans le flipper par exemple. Je suis bien persuadé qu'il y en a un là-bas. Ça va vraiment être merveilleux. Avec la musique bien sûr. Sinon... Non, sinon, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie s'il n'y a pas la musique. Ah oui. Alors, on va quand même vérifier. Est-ce que déjà, c'est le dernier monde? Rapport. Rapport. Sticker. Collection. Disneyville. Il m'en manque deux. J'en ai zéro. Putain, je pensais que j'en avais au moins eu un. Ah bah alors, je sais où il y en a un, du coup. Ok, c'est bel et bien ici qu'on aura les derniers. Donc, il faut qu'on aille dans les égouts, là. Vous savez... Bah, c'est là où il y a le flipper, d'ailleurs. Mais il y avait un mécanisme à déverrouiller. Et il me semble qu'il y en a un que j'ai essayé de choper et que j'avais pas réussi. Oui, 200. Non, 10 en maintenant. Attends, s'il te plaît. Précipitons-nous. Et du coup, si vous vous questionnez, les deux... Parce qu'on est censé avoir 4 rapports de Xehanort par perso pour l'épisode final. Si jamais vous n'êtes pas au courant, les autres rapports récupérables avec Terra sont tous... Bah, en suivant l'aventure principale. Alors merde, il va me falloir de la foudre là, ça m'arrange pas. Cela ne m'arrange pas, à moins qu'il y ait juste à taper. Non. Bel et bien de la foudre. Ça fait chier, j'aime pas changer mes trucs. Bah. Bah. Il est où? Bah, je suis bête, je suis dessus. On va en mettre deux. Voilà, ça va aller vite. Ah, faut attendre que ça charge. On n'est pas prêté. C'est pas grave. Patientons. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est améliorer les liens dés. J'ai vaguement amélioré un petit peu celui de Stitch. Quoi, c'est tout? Putain. Oh, putain, ça va descendre. Oh, ça va pas du tout, là. Parce que j'ai du foudre niveau 1, ça va pas. On va mettre du foudre à fond, ça m'énerve. Je vais me retrouver bloqué. Ah, mais là, j'en ai des niveaux 4. Alors là, si ça passe pas avec les niveaux 4, mon gars... Je vais être deg. Alors que je m'entraîne avec du foudre avant de pouvoir revenir là. À moins que je puisse sortir par l'autre passage qui était sur les toits, là, enfin en hauteur, vers la course, il me semble. Allez. Ça passe toujours pas. Ah bah tu m'étonnes. Tiens, ah bah là ça passe du coup. Mais oui. Ah là là. Ok, c'est bon, on sait que ça s'est activé. J'espère vraiment que c'est pas dans le flipper qu'il y en a un. Il y en a un qui est ici, d'accord, mais... T'as la capacité d'éclair, on la voit rarement, hein, parce que finalement, j'utilise plus trop la foudre. Alors toi... Bonjour. Viens là. Oh. Putain, ça va être galère. Oh, ça va être galère. Ça va être galère, ça va me saouler. Ça m'énerve déjà. Je suis déjà énervé. Je grogne.
Je suis très énervé. C'est peut-être pas le même, le meilleur moyen de le choper, celui-là. Oh là là, oh là là. Oh, sticker patibulaire. Magnifique. C'est parfait. On l'aura eu. Alors, faut que je remonte quand même là-haut, parce que le flipper, il est dans la direction là-haut, il me semble. Bon, au moins, je peux aller un peu plus vite, maintenant. J'ai plus à attendre toutes les mains. Même si je dois en attendre quand même. Ok. Allez, on va pas tomber. Hop. Et hop. Salle de jeu de pattes. Alors, est-ce qu'il est là? J'ai pas trop de souvenirs de l'avoir vu ici, ce truc, hein. Pardon, excusez, pardon. Je vous snob, excusez. Est-ce que c'est là? Fouillons, fouillons. Est-ce que c'est dans le truc? Là où il y avait le coffre qui était enfermé. Vas-y, saute. Saute! Hop. Je monte. Sinon, ça peut être que plus haut. On l'a pas trop vu là-haut. Hein. Vous savez que j'ai pas réussi à retourner vraiment quand j'avais essayé d'avoir le coffre. J'avais pas réussi à vraiment y aller correctement. Et là, ça va pour l'instant. Il est pas là. C'est sérieux? Putain, j'étais persuadé que ce serait là. Attendez, on va essayer de regarder mieux. Peut-être par là. On va se poser là. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Il me semble qu'on peut. Voilà. Alors, ouvrez grand vos yeux. Désolé, mais je crois pas qu'il soit là. Hein. Non, tombe pas. On va sortir, on va sortir. Hein. Je ne le vois pas. Oula, la vue a changé. Ça doit être ailleurs. J'espère que ce sera pas trop galère. Du genre là, si c'est. Du coup, on va se retrouver sur la zone en haut. Voilà. Si je dois le choper à partir de là et que je le rate, je vais devoir m'amuser à refaire ce chemin tout le temps. Il est pas là, hein. Ah, attendez. Non, c'est une silhouette machin. On va aller dans cette direction. Ok, le dernier va nous donner du fil à retordre. Quand même. Cet épisode secondaire va se terminer en gros flop parce que je ne trouverai pas mon dernier sticker. En même temps, c'est tellement coloré que je vois pas tout ce qui brille. Bon, là on a déjà venu. Hein, donc, je vois pas. Où est-ce que je l'ai oublié? Terrain de football. J'espère que vous l'avez pas vu et vous pouvez pas crier dessus. Ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Qu'est-ce que... Oh, ça m'inquiète trop. Il est peut-être tout simplement ici, en fait. Depuis le début, il est à l'entrée. On va bien le voir un jour. Où il est? C'est sérieux que je le vois pas? Ah, attendez. Non, j'ai cru que là-haut, il y avait un truc. Ah! Ah si, il est là-haut, regardez! Oh, il faut que je refasse le chemin, non! Oh, je le savais. Je le savais! Il est là-haut. Il n'y a même pas un coffre, en fait. Il n'y a que le sticker. Oh, j'aurais dû regarder mieux. Ok, bon. Pas de panique. Je vais y retourner. En ellipse. Voilà. Et puis, on va se le choper, ce dernier truc. Et on se lit le rapport de Xehanort ensuite. Allez, à tout de suite. Ok, ok. Putain, en plus, il était trop visible. Je suis sûr que vous l'aviez vu. Ok. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, ça passe. Ok, alors attention. Ouf, qu'est-ce que vous faites là-bas? Tombe pas, tombe pas. Attention. Trophée PS3, j'espère, au moins. Non? Enfoiré. Pas de trophée, quoi. Pas de respect pour ce truc. Ok. Alors, on va coller ces stickers. Vous allez voir que c'est magique. Vraiment, c'est le truc. Si ce jeu n'est... Enfin, s'il n'y avait pas le collage de stickers,
dans ce jeu, je sais pas où on en serait. Alors regardez, oh, j'ai pâte, j'ai mon super truc comme ça, on peut les rapetissir je crois, ou pas. Il me semblait qu'on pouvait les rapetissir. Non, bah j'ai rêvé. Aller à la machin... Bon ok, je ne peux pas les rapetissir. C'est pas grave, regarde. Je fais boum. Waouh. Il y a des étoiles quand vous collez un sticker. C'est pas n'importe quoi. Toi, là-haut. Toi, tout là-bas. Voilà, il y a l'arc-en-ciel et tout. C'est merveilleux. L'arc-en-ciel, il va être sur Terra parce que Terra aime les arcs-en-ciel. Obtenu tempête limite. Regardez, j'apprends des trucs super. Le petit avion avec le truc de Mickey. C'est tellement surchargé. Et après, on a des tout petits trucs. Des mini ballons. Qu'on peut mettre sur la tête de toi. Tic-tac, on peut les mettre en bas. Bon, je fais pas une grande œuvre d'art là. Je pense que c'est juste pour valider. Et ça doit être le dernier. Non, même pas. Même pas. Donc, on va mettre un ballon là-bas. Un petit plot ici. Aquilon. Oh, merci. J'aurais pas à le faire. Oh, il m'en manque un. C'est scandaleux. C'est scandaleux. J'ai merdé. J'ai merdé. Mais what the fuck? Ah, mais non, peut-être pas que j'ai merdé. J'ai sûrement pas merdé. Mais non, écoutez-moi. Je sais pourquoi. Du moins, je pense le savoir. Je vais le mettre en plein milieu, lui. Alors déjà, il en manque un. Ok. Va là-haut, toi. Alors, on est d'accord, on a collé tout ce qu'on avait. On va checker un truc. Collection. Là, j'ai tout. J'ai tout, mais je pense que soit il nous reste un monde, soit il nous reste un monde. C'est obligé, de toute façon. C'est obligé, il nous reste un monde, puisqu'il m'en manque un. Il m'en manque un. J'aurais pas cru, là. Je m'attendais pas, je pensais le compléter. Donc il me manque un petit plot comme ça. J'espère qu'on l'obtient pas avec une quête secondaire, sinon on faudra me le dire. Mais je pensais tout avoir, donc bon. Écoutez, c'est pas grave, au moins on a eu tout ce qui nous manquait. On aura le dernier au moment venu. Hein. On le prendra, si c'est en cours de l'aventure, on le prendra, mais bon. Tant pis. Je pensais, là c'est un peu le fail, parce que je pensais avoir tout ce qu'il me fallait. Rapport secret. Du coup, on va lire ce rapport de Xehanort numéro 5 et on se laissera ensuite, je pense. Je sais pas, on verra. On verra si je vais voir la cinématique qui me manque là-bas. Alors, rapport de Xehanort 5. De nos jours, les voies qui relient les mondes ne peuvent être empruntées que par nous autres, les porteurs de Keyblade, ainsi que ceux qui se sont laissés envahir par les ténèbres. Jusque-là, tu nous apprends rien. Quoique, les voies qui relient les mondes ne peuvent être empruntées que par nous autres, les porteurs de Keyblade. Est-ce que ça inclut Tic et Tac, Dingo et Donald dans le vaisseau Gumi? Je sais pas, je pense que le vaisseau Gumi fait un peu exception. Il permet justement d'outrepasser cette règle. En tant que porteur de Keyblade, notre devoir est de traverser les gouffres qui séparent les mondes pour protéger ces derniers des ténèbres. Celles-ci corrompent et contaminent tout sur leur passage, et aucun monde ne doit plus jamais être perdu. Il ne reste que peu de porteurs de Keyblade à présent, et je sais qu'en dehors de mon entourage, il n'y en a qu'une poignée. Mais le monde est si vaste, qu'il se peut qu'il y en ait d'autres ailleurs. D'ailleurs, hormis le royaume de la lumière où nous vivons, il existe le royaume des ténèbres, et celui qui relie les deux entre eux. Le royaume des ténèbres est interdit, et on raconte que quiconque s'y est rendu n'est jamais revenu. Mm-hmm. Il a pas l'air trop mauvais, là, pour l'instant, Xehanort, quand il écrit ça, je trouve. Il a pas l'air trop mauvais. Alors, écoutez, je ne suis pas un monstre. Je suis pas un monstre, donc ceux qui auront zappé le collage de stickers auront quand même de quoi se mettre du contenu sous la dent, parce que nous allons quand même aller aux terres funestes. On va se taper la cinématique qu'on a là-bas. On va aller voir. Je sais que l'épisode sera long. Écoutez, on aura fait du secondaire, et donc je pense que vous avez mérité une petite cinématique sympathique. Voilà. Par contre, il faut que je retrouve le point de sauvegarde. Donc on va terminer cet épisode sur la cinématique qu'il y a là-bas. Normalement, il n'y a pas de combat. Si j'ai un boss, bah, l'épisode va durer 1h30, ce sera bien fait pour ma pomme. Parce que je pensais qu'il n'y en aurait pas, mais il me semble pas, puisqu'on avait dit qu'il n'y avait pas de combat là-bas, donc... Je pense qu'on va surtout avoir des révélations très intéressantes. Ah, je suis déçu pour mon sticker qui me manque, là. J'espère que c'est pas genre la course folle à faire au niveau...
au niveau supérieur, genre super difficile, et hop, t'as un sticker magique. J'espère que c'est pas ce genre de truc, j'espère vraiment qu'il me manque un monde. Et que genre on va retourner aux Terres Funestes mais en le visitant. Peut-être pas tout de suite, mais bon. On verra. Niveau combat 0, pas de trésor. Normalement. Non, c'est bon. Bref, on y va, on va le découvrir. On va profiter de cette cinématique. Master Xehanort, you wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventus has stumbled upon the secrets of his origins. Ven? I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventus is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes. I'm certain he's capable of anything. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Master Terra, you must hurry back and see to your friend's safety. Of course. Style de commande, impulsion sombre. C'est tout? Je pensais qu'il y en aurait plus de choses que ça. Tout ça pour ça, toute cette attente, tous ces stickers pour ça. Eh ben oui. Il est rentré chez vous, donc on va retourner, voilà, à la contrée du départ. Et c'est peut-être ici qu'un sticker se cache, en fait. On va pas y aller maintenant, du coup, là-bas. Hein. On va se garder ça pour l'épisode prochain. Je vais voir, niveau combat 8. Si je compare à ici... 7, ouais, donc c'est bien, on est dans la lignée, donc je pense qu'on devrait s'en sortir. Hein. On devrait s'en sortir. Contrée de départ. Est-ce que par hasard, maintenant, tu me dis pas qu'à la contrée du départ, il manquerait pas un sticker, monsieur? J'ai envie de savoir, quoi. Collection. 19 sur 19. Je comprends pas pourquoi il en manquerait un. Hein. J'espère que j'ai pas subi un bug, je pense pas quand même. Est-ce que... Pays imaginaire, espace profond, Colisée de l'Olympe, Disneyville, jardin radieux, tour mystérieuse, palais des rêves, forêt des nains, domaine enchanté... Il n'y a pas la contrée du départ, peut-être qu'il y en a un là-bas. On va y retourner, donc... On va espérer que ce soit ça. Allez, on va dire que c'est ça. On va pas paniquer, parce que si j'ai un bug... Non, je pense pas. C'est rare les bugs maintenant, hein. Faudra que je remette mes foudres au placard, parce que là, ça va pas le faire. Bien, donc cet épisode 99% secondaire est bel et bien terminé. Je pensais que la cinématique serait plus longue, du coup c'était ça a fait un peu un flop parce que j'aurais dû le faire dans l'épisode prochain parce que là du coup pour 5 secondes de cinématique, les pauvres personnes qui n'auront pas regardé cet épisode parce qu'il est secondaire, bah ils auront raté un truc quoi. Ils auront raté que Ventus a redécouvert la vérité. Sur son cœur qui a été éclaté en deux, enfin récupérer les ténèbres pour faire Vanitas et la lumière pure de son cœur. Ventus est une princesse de cœur, c'est nouveau. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être encore une fois que c'est Xehanort qui nous dit ça pour qu'on aille là-bas. Je sais pas pourquoi il nous pousse à faire ce truc. Pourquoi il nous pousse à nous appeler Maître Terra, à nous caresser dans le sens du poil pour faire genre oui tu es puissant, vas-y. Et confiance en moi. Enfin bref, on verra ça la prochaine fois. La prochaine fois qui devrait arriver bientôt. J'allais dire assez vite, mais s'il faut que je m'entraîne, je sais pas, je verrai ce que vous en dites. Mais j'essaierai de pas tarder, parce que bon, je sais que les épisodes secondaires, ça intéresse pas tout le monde, mais bon. Voilà, on s'arrête là, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour retourner à la contrée du départ, qui sera peut-être la contrée de l'arrivée, parce que je pense que c'est la fin. Je sais pas si je pourrais sortir de ce monde pour visiter d'autres mondes avant... après ça. Voilà. Donc je vous laisse là, portez-vous bien d'ici la prochaine fois, et puis à bientôt. Ciao, bye bye, salut, etc.